Au revoir, merci. Au revoir, merci. Moi, j'en ai aucune idée, frère. Je dirais LS, je crois que j'ai jamais eu un pull LS. Moi, un F, il a. Moi, ça va trop de vous défiler. Parce que quand on dit tabassé qu'on aime aussi là, son vin et tout, son petit fil là. Même étant même les gars disaient fils, il y a d'autres qui disent fils là. Moi, mes fils, c'est comme S. Ouais. Il y a ambiguïté. Non, quand. C'est comme fils là. C'est comme. Bon, moi, il y a un F fils en tout cas. C'est un F fils là. Pacini. C'est juste Pacini. C'est un T. Quoi, Pacini? C'est T. Hein? Tachini. Oh, non, après. Non, t'as une F, quoi. Je connais rien. Il y a un F, là. Oui. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Et là, ça dégage. Ah, putain. Moi, le gars que je vais enlever. Attends, c'est qui en haut déjà? Non, ah, Migos. C'est Migos. C'est Migos. Liliachi. Travis Scott. Et puis Tornanis. Moi, un F. Liliachi. T'as jamais mis un sabati. Il aime toujours son montré. Il aime bien l'entrée de choses, du son. C'est pas toi qui mène toujours les WL ici, si c'est maintenant ça. Non. Si les ongles là. Si le quoi ça. Des maintenance. Maintenance. Il comprend pas, tu vois, là. Attends, alors. Tori Lanez, je suis pas d'accord avec lui. Je le trouve trop prétentieux. Et il se la pète de ouf. Je le trouve super désagréable dans son approche et tout. Ça m'énerve. J'arrive à entendre qu'il sort des mélos, même qu'il a une voix de ouf, tu vois. Mais je le trouve tellement aigri, tellement trop. Ah, il me saoule, je peux pas le voir. Tori Lanez, ça dégage. Au revoir, merci. Alors, ça dégage Kevin Hart. Genre, j'ai vu son dernier spectacle qu'il fait là dans un méga stade. Je crois que c'est sur Netflix que je l'ai vu. Il m'a dégoûté. Genre, tu sais, je vois vraiment les mecs de stand-up américains vraiment comme des légendes du stand-up. Les mecs sont vraiment trop forts, quoi. Ils sont trop marrants, ils disent des trucs trop surprenants, c'est abusé. Et là, il a fait un spectacle dans un stade, frère, où il me parle qu'il va sortir ses poubelles dans le noir et qu'il a peur. J'étais en PLS, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça, c'est Gad Elmaleh au State, qu'est-ce qu'ils nous font, là? Donc, Kevin Hart, ça dégage. Au revoir, merci. Le Bose, faudrait que ça dégage de ma vie, c'est sûr. Ça ralentit. Ça ralentit tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde devrait arrêter. T'as des nerfs, déjà. Drogue. Oui. Oui. C'est qui en haut à droite, là, ça, c'est quoi? Alcool. Bon. Vite. À part, c'est B, le fond. Non, mais c'est B. Là, il y en a pas. Vite fait. Bon, en tout cas, si j'ai pas le choix, même, là. Sincèrement, si j'ai pas du tout le choix, moi, c'est l'alcool, en haut. Ouais. Hey, tu vas te trouver. C'est vraiment de la merde. Au revoir, merci. Oh putain. Celle d'en bas à droite, je sais pas, c'est des positions a priori sexuelles. Mais celle d'en bas à droite, ma bite, elle va jamais rentrer comme ça. C'est genre, c'est une position de lesbienne, je crois, non? Au revoir, je sais pas. Merci. Encore une fois, il va enlever Suprême. Il en a trop vu les maths dérivés de ce truc-là ici. Il y a les Suprames, les Suprêmes, il y a les Supernes. C'est un spam. Il m'a jamais vu Suprême. Et moi, je suis Suprême. Il enlève Gucci, il enlève Cartier, il enlève LV. Il garde Suprême. Il enlève le 3, ouais. Il garde Suprême. Tranquille. Décision, ton choix.
Louis Vuitton, parce qu'ils ont des chaussures, c'est pas terrible quand même. Il y en a des biens, mais il y en a des pas terribles. Voilà, je sais pas. Au revoir, merci. The Simpson, American Dad, la légende. South Park, la légende. Family Guy, je me suis pas encore mis dedans. C'est sûr que je vais tomber là-dedans à un moment donné, mais tous les autres sont trop intenses. Family Guy, je connais pas. Ok. Enfin, je le vois très bien sur Netflix, il me nargue, mais pas encore. Au revoir, merci. Les Air Force montantes rouges. Déjà, des chaussures rouges, je vais avoir beaucoup de mal à les porter, mais là, elles sont montantes et tout. Je vais ressembler à un clown, au secours. Au revoir, merci. Le pepperoni, ça dégage. C'est sûr que le pepperoni, ça dégage. C'est trop salé. Au revoir, merci. Batman. Alors, en fait, j'aime pas Batman parce que je trouve qu'il a pas vraiment de pouvoir. Notamment dans le film avec Superman, c'est très criant, quoi. Genre, Superman, il claque des doigts, il fait exploser la Terre. C'est genre, en fait, c'est ça le... Ouais, lui, là, Superman aussi, il dit claque des doigts, genre, c'est une image qu'il a donnée. Mais là, c'est réel. Ils ont trop abusé, ils ont tué là trop fort, c'est pas ça. Superman. On s'en fout, mais genre, non, la mais c'est quoi, la force. Putain, il est force. Mais pour Batman, mais Batman, là, genre, c'est abusé. Hormis son truc, hormis le fait qu'il n'ait pas le pouvoir. Mm. C'est un gars qui est super intelligent. Très intelligent, mais en fait, c'est un show, c'est un inspecteur. Il y a pas tout ça. Tu vois, non. Mais non. Les gens qui n'aiment pas DC ou qui n'aiment pas Marvel, ils ne doivent pas donner la vie même. Voilà. Mm. Parce que Batman, c'est quelqu'un. Voilà. Faut respecter Batman. Superman, il est quelqu'un. Superman. Allez, fais-moi ce truc. L'autre, il lui faut une armure, il galère. Moi, je suis pas d'accord avec Batman. J'aime bien son côté sombre un peu, mais je trouve qu'il a pas vraiment de pouvoir, quoi. Au revoir, merci. Superman, c'est sûr. Superman, c'est Dieu. Tu peux pas faire plus que Superman. J'aimerais bien être Hulk pour la bizarrerie que c'est, quand même, et pour son design, et parce que j'avais été voir le premier remaster au cinéma, alors qu'il pue la merde, et j'étais très content de cette sortie. Et sinon, Spider-Man aussi, parce qu'il est plutôt souple. Ah, je dirais Kendrick. Les quatre, ils sont... T'en as qui? Kendrick. Alors, c'est qui? Lui, c'est qui? En haut à droite, là. Mmh. Future. Hey, mon goût. Yeah! Attends, hey. C'est un oui. C'est Future. Young Thug, Future, Trey. Young Thug, là. Il est bizarre, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu féminin. Il a un côté décalé. Mais il est pire. C'est un thug, hein. Moi, j'ai mis son futur, il est Post Malone, là. Ok. C'est un thug. C'est Young. C'est un thug. Donc, gars. Bon, moi qui ai un niveau, celui qui a un niveau ici, là. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai un niveau de deux personnes. Ouais, quoi. Je vais équiper Future. Pourquoi? Je n'aime pas. Déjà, tu les écoutes pas à fond. Non. Tu les aimes pas. Moi, il m'assoit pas pour les écouter. Peut-être que tu as mis et écouté. Sinon, bon, le personnage. Dieu, regarde, c'est pas qu'il fait pas de la bonne musique. Hein. Mais souvent, les anecdotes sur lui, elles sont bizarres. Mm-hmm. Mais, Timon, elle est ouais. Non, mais là, non, c'était bien fait, mais il a bien fait. Il a bien fait, mais bon. Moi, les ouais ou quoi. C'est mieux, ça va être dans le fou là-bas. Mais bon, c'est pas à cause de ça seulement. Mais c'est pas un gars qui me plaît bien. C'est pas le style de musique auquel je suis plus attaché. Future aussi. Bon, il m'a sauvé pour l'écouter. Il est bon, il fait les hits, mais bon. Kendrick Lamar, il a son oui. Maudit.